Baga. L'écriture, c'est Philippe qui a en tête l'ossature, l'architecture du spectacle, mais les numéros, tous les détails sont faits collectivement au fur et à mesure avec les uns et les autres. Le directeur. C'est le résultat d'une année d'atelier ou sous la direction de Philippe Sigura. Qui a lieu tous les lundis soirs ici. D'accord. Voilà, le soir de 19 à 22 heures. Et donc, ça fait combien de temps que l'école existe? 3 ans. On a créé un spectacle qui s'appelle Music Hall. Oui. Et c'est l'histoire d'un spectacle raté, parce que tous les vrais artistes sont partis. Alors, on va se débrouiller pour faire un spectacle. Seulement, c'est un spectacle un peu de briques et de broc, parce que c'est que des clowns. Et les clowns, ils ne sont pas forcément très doués pour faire un spectacle sérieux. Thomas, alors la phrase que tu voulais. Je vous écris cette lettre que vous lisez. Non, voilà la différence. Non, je cherche du noir. Mais j'en ai du noir. Qu'est-ce que c'est que du noir ? Cher monsieur le directeur, moi, Bazooka, depuis trop longtemps, les bouche-bouche, vous les gardez pour vous. Bouche-bouche ? Bouche-bouche. Je commence alors. T'es pas grave, t'es pas grave. Je me suis dit que j'ai... Mon école. Et en fait, je me suis dit, autant que je fasse ça, comme ça, dans le mirant. Charles Mescone, pour Bosch-Bone. Bosch-Bone. Charles Mescone, pour Bosch-Bone. C'est juste que voilà, il y a un petit stress un peu normal. Bon. Il y a beaucoup. Non, il n'y a pas de stress. Il y a un stress, mais ça va. Et on a l'air hyper stressé, mais on ne l'est pas du tout en fait. Enfin, pourquoi je parle du rond en fait? Mais moi, j'ai pas l'air. Enfin, j'ai peut-être l'air stressé, mais je suis pas stressé quoi. Voilà, mais les gens ont du mal à me croire. Mais... pour être clown en fait. Je crois qu'il faut être cinglé. Ouais, un peu de folie. Ouais, et un nez rouge aussi. Je fais comme ça. Mais pas trop. Je sais pas si. Pas ouais, oui, mais il y a des clowns sans nez rouge. Je change. Des proches étaient un clown. Il n'avait pas de nez rouge. Donc, non, je crois qu'il faut être cinglé. Ça veut dire en fait, donne la définition. Parlez pas derrière. Oui, mais bien sûr. J'ai peur des clowns. J'ai d'ailleurs toujours peur des clowns. Mais comment tu fais? Mais j'ai peur des clowns. J'ai peur de ça, quoi. Les poupées en clown et tout ça, je flippe un peu, quoi.
j'ai pas peur de mon clown. Mais j'ai peur des clowns. Voilà, ouais, je... Pourquoi t'es là? Je l'interprète pas, il est là. Et toi, pourquoi t'es là, toi? Pourquoi t'es là? Là, t'as Samia. Et puis, bah, si j'ai mon chapeau et si tu veux, moi, je suis rarement comme ça, car. Hein? J'ai rarement comme ça, tu vois? Voilà. Après, je sais pas. Je sais pas comment ça vient. Toi, ça vient comment, Ewan? Moi, je sais pas. Je sais pas, tu fais déjanter un truc, quoi. En fait, c'est que ça t'amuse de faire ça. Hein? Tu sais, je parle avec Chantal. Tout simplement. T'amuses. Je crois que je préfère. Moi j'aime bien la rencontre du personnage, de la rencontre que j'ai faite avec ce personnage. Qui me... Mais je te parle de moi, parce que tout le monde n'a pas. Moi, pour moi, mon clown, il me permet de, d'être dans une émotion que je m'interdis dans le quotidien. Donc mon clown, il peut, mon clown, il est assez, il a peur des autres, il est, et il va le montrer. Et puis si, il n'aime pas trop les gens en même temps, en fait. Donc voilà. Et je vais pas être comme ça dans la vie. Ouais, je sais pas comment. Il montre des émotions que au quotidien, je ne montrerai pas. Allô. Bécoulé. T'es quoi ce travail, allez, la belle chambre. Je vais m'interdire des choses parce que c'est pareil, il y a des convenances, tout ça, qu'il faut respecter. Alors j'essaye de m'oublier, j'y arrive pas. Hein. Mais j'essaye. Et c'est compliqué. À part, donc je crois qu'il y a personne qui avait fait du clown avant. Non, voilà. Non, si, moi des stages. Tu avais fait des stages, voilà. Après, il y a des gens qui ont fait du théâtre, comme Déborah, comme moi, mais c'est pas du tout une condition sine qua non pour faire du clown, quoi. C'est vraiment une discipline à part. Ouais. Voilà. Ben, j'ai vu un spectacle d'un clown russe qui est très très connu, qui s'appelle Slava Polonil, qui est un spectacle qui marche dans le monde entier, et j'ai adoré, et du coup je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi, alors qu'avant je n'aurais jamais pensé. Et puis finalement, ben, j'ai fait du clown, j'ai adoré le clown, mais j'aime plus Slava Polonil, voilà, c'est le genre de choses qui arrivent, quoi, mais c'est lui qui m'a donné vraiment envie, quoi. Au début j'étais intéressé par la poésie du clown. Et après, j'ai appris à aimer le côté aussi plus trash. Grisha, grand directeur musical.
un clown en fait qui apparaît à travers les improvisations en fait. Au début on travaille avec des impros, avec des petites consignes, puis petit à petit la personnalité du clown qui se révèle quoi. Et à partir d'impro, on va construire peu à peu un numéro. Ça fonctionne comme ça. Et le clown va gagner en personnalité, en caractéristiques, en psychologie. Oh,